Bonjour mes petits camarades, nous sommes le vendredi 22 juillet 2022 et je suis sur le trail numéro 7 à Haute-Rivière. Et je suis parti faire un bon petit tour, il est tôt hein, mais il fait bien frais et c'est bien agréable. Chouette coin, coin coin. Alors là, ils ont construit un tremplin, ça doit être pour les vélos, ça. Hein, ben oui. Oui, sympa. Les gens s'amusent dans le bois. Et voilà un coin que je ne connais pas et je viens de trouver une cabane. On va aller voir. Hein. Visiblement, c'est une cabane au cas de vent. Hein. Eh oui, oh putain, oui, il y a pas mal de trucs qui se sont envolés. Bon, c'est principalement habité par les araignées, c'est bien au cas de vent. Hein. Mais bon, c'est sympa pour manger à l'abri. Hein. Une espèce de petit banc là, à côté des volets. Et voilà. Non, tout est détruit. Mais bon, il y a moyen de faire quelque chose à partir de cette base-là. Hein. On va refermer, ça fait des courants d'air. Et voilà. Allez, c'est mieux hein, quand c'est fermé, regarde. Voilà, le trail continue par là, les copains. Eh ben, mon petit fifi, il y a des murs qui sont mûrs là, non? Ben ouais. Mon petit goûter du matin. Eh ben maintenant que le sanglier a fait salt, on peut continuer. Ce petit chemin. Bon là c'est moins cool, hein. Il n'y a pas tellement de profondeur, mais visiblement elle est polluée. Hein. Regardez-moi cette mousse là. Un peu de courant là, mais c'est tout. Hein. Tout le restant en face, c'est que désolation. Hein. Regardez-moi ça. Il n'y a plus rien là. Elle est même pas à la moitié de sa capacité. Mais c'est beau et apaisant. C'est ouvert aussi au cas de vent, comme je disais plus tôt. Il y a un toit, c'est un bel abri aussi. Hein.
Ouais, bah, je découvre hein, des nouveaux sentiers à droite à gauche. Je pars n'importe où, où le cœur me dit et surtout où je ne connais pas quoi. Je pense que je ne vais pas tarder à arriver sur la hauteur de quelque chose parce que ça a l'air de s'éclaircir là-bas. Il faut le monter le bordel, hein. Alors comme j'entends en contrebas le marteau de la forge, forge, estampage, sidérurgie et compagnie, je dois être au-dessus de votre rivière et à mon avis, ça doit être un des chemins qui mène à la Croix d'Enfer. Alors lieu que je connais déjà. C'est une supposition parce que je vois pas où je peux être d'autre. Bon, alors là, il y a un peu de rocaille. De rocaille. Ah oui, toi. Regarde-moi ça. Je vais passer par là, les copains. Alors, effectivement, je me suis pas trompé. Je vois mon pote Jésus au bout du chemin, là. Sur sa croix, le pauvre bougre. Donc nous sommes bien à la Croix d'Enfer. Ça y va, hein, c'est bien. Les ouvriers, je suis content que vous ayez du boulot, hein, les copains. Mon pote Jésus. Vous voyez qu'il y a quelques passages qui sont pas faciles, faciles. Hein. Faut lever la jambe, hein, copain. Il faut lever la jambe. C'est du French cancan. Et puis c'est tout. Et ben tu vois, il y a un peu de vent et il y a même. Il y a même une feuille qui a la tremblote, ça blablote, ta copine. Eh oui, je suis moqueur. Hein.